matin tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin on se retrouve à la gare de Vietri en direction de Salerno. On a le train dans exactement 7 minutes, on a pris nos billets, ça nous a coûté 1,10€, 1,20€ chacune, donc ça passe trop bien. Donc en fait on a pris le taxi depuis notre hôtel jusqu'à la station et puis on a pris nos tickets à la machine et là on attend le train. Et c'est fou parce que justement il y a 4 ans, comme je vous ai dit, j'étais déjà venue dans cette région et j'étais restée à Vietri sul Mare avec en fait le concours Miss et Mister Suisse francophone. Et c'était en fait notre voyage avant la finale, on est venu ici pour visiter, pour faire des shootings, etc. Et j'avais justement fait une photo devant le panneau là-bas que j'ai reproduit. Anisha elle m'a prise en photo, je vais vous la mettre ici à l'écran, vous allez voir, c'est trop cool. C'est la même photo du coup mais avec 4 ans de différence. Et là le programme c'est d'aller à Salerno en ville faire le test PCR antigénique pour Anisha parce qu'on a le vol de retour à la maison samedi matin, donc là c'est pile dans les 48 heures. Et on va aussi visiter un petit peu Salerno, on va aller je pense au centre commercial. Et là vous le voyez pas à l'écran mais il est en train de pleuvoir, on n'a pas de parapluie. Mais je pense que le train va arriver à temps puis après bah, on sera à l'abri. Par contre il fait super chaud, super lourd. Et moi ce matin j'étais au bout de ma vie, d'ailleurs là je me suis pas maquillée. J'étais maquillée mais j'ai pleuré, j'ai tout le mascara qui a... Pourquoi? Parce que j'avais super mal au ventre, je sais pas, je crois que c'est le petit déjeuner qui a pas passé. J'ai mangé des petits pains avec de la charcuterie de la dinde et j'avais super mal au ventre, diarrhée, vomi, tout ce que vous voulez. Mais disons qu'un voyage sans des problèmes de diarrhée, de constipation, ce n'est pas un voyage. Donc voilà, donc je pense aussi que la première chose qu'on va faire quand on va arriver à Salerno, c'est de trouver une pharmacie pour me prendre des petites pastilles pour mon petit bide parce que là je suis au bout de ma vie, je suis pas en forme. Donc voilà, on se réjouit de faire ce petit trajet en train, uniquement une quinzaine de minutes, je crois 20 minutes de train, donc c'est vraiment juste à côté et puis voilà. Après le bateau, passons au train. On se retrouve du coup à Salerno. Alors ici on est au plein centre de Salerno, cette grande avenue piétonne qui se nomme Corso Vittorio Emanuele où vous avez tous les commerces et toutes les boutiques. Oh là, la catastrophe, il a commencé à pleuvoir. On a été dans une pharmacie pour le test antigénique rapide pour Anisha et ils font pas. Et apparemment tous les centres qui font de dépistage ils sont fermés. Ou bien c'est super loin, à 20-30 minutes de Salerno, donc on comprend pas. Du coup là on va aller, on est retourné rapidement à la gare, regardez comme il pleut. Du coup on est retourné à la gare, on a pris un taxi et là on va dans le grand centre commercial, du coup on ira là-bas dans une pharmacie pour regarder. Et le hic aussi c'est que c'est tout fermé ici, c'est vraiment les heures italiennes, là c'est l'heure de la sieste, là du repas. Leurs horaires c'est vraiment 8h-14h et après ils réouvrent à 16h30. Enfin fin de journée quoi, fin d'après-midi. Donc voilà, je vous tiens au courant de la situation. Thank you.
Arrivés au centre commercial, nous étions d'autant plus étonnés. Il n'y avait personne, comme vous pouvez le voir ici. Plusieurs magasins étaient fermés, on ne comprenait pas. Personne nous a aidés en plus. On a demandé à la pharmacie et plusieurs magasins et personne ne savait où faire un test PCR. Du coup, nous sommes retournés au point de départ car la première pharmacie où nous sommes allés nous avait donné l'adresse d'un centre médical où ils font des tests, mais ils n'ouvrent qu'à 16h30. Du coup, on a flâné en ville en attendant et checké les quelques boutiques ouvertes. Alors, Salerno, honnêtement, on n'a pas du tout aimé. En même temps, tout était fermé. Les horaires de travail ici, on les comprend pas. Enfin, je veux dire, ils ouvrent le matin, puis ferment et réouvrent qu'en fin d'après-midi jusqu'à tard le soir, 21h, 22h environ. Et c'est une grande ville, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas une ville riche en monuments, avec une réelle identité historique, ni quoi que ce soit. Comme les autres grandes villes italiennes, Rome, Milan, Venise, etc. Franchement, à part faire les magasins, et le soir sortir dîner et boire un verre, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, ce n'est clairement pas une destination que je vous recommande. Après avoir gâché toute une journée sous la pluie à Salerno pour ce fichu test, nous sommes rentrés dégoûtés à Vietri et nous avons passé le reste de l'après-midi à l'hôtel. Et le soir, nous avons dîné au restaurant de ce dernier en discutant et en préparant notre journée du lendemain à Capri. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve donc sur l'île de Capri, notre dernière destination de cette série de vidéos sur la côte amalfitaine. Active la petite cloche des notifications pour ne pas la louper car ça va être incroyable. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Besitos.